Je travaille, si tu veux, 50% pour moi. J'essaie de créer mon entreprise pour pouvoir aussi avoir plus de temps d'être en famille. Quand on travaille à temps partiel, on a évidemment moins d'argent. Mais c'est aussi plus de temps. Personnellement, pour moi, c'est ce que je préfère. À 100%, on n'a pas le temps pour les enfants, on n'a pas le temps pour créer une entreprise. En tant que maman, j'ai pas envie de travailler à 100% parce que j'ai fait les études, j'ai fait haute école, bachelor, et maintenant, c'est mon temps pour m'occuper de la femme et j'ai pas envie maintenant de travailler encore à 100%. Comment elle fait la vache, Ayana? Elle fait comme ça? De la manière dont elle travaille, ça lui laisse aussi un peu de temps de pouvoir travailler avec moi. Et c'est très important pour nous parce que ça nous rapproche, ça crée quelque chose qu'on a en commun, sur lequel on travaille et sur lequel on peut grandir ensemble. Mais là, ton cheval, regarde. Sur le long terme, on cotise le troisième pilier, chacun de notre côté, assurance vie, tout ça. Après, à court terme, c'est vrai qu'on a un peu de la peine en ce moment pour épargner. Mais on a un peu pesé le pour et le contre. On essaye 1 an, 2 ans, 3 ans. Si ça marche pas, on va avoir une discussion, c'est clair. Mais il faut se donner la chance d'essayer quand même. Parce que moi, j'ai pas envie de vivre une vie où on fait que de travailler, puis on n'est pas heureux, puis on se voit jamais. Quel cheval!